Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Nous continuons ce que nous avons commencé. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'allais vous montrer cette vidéo où on entend notre pasteur qui dit que il ne faut pas que les fidèles du type Yeshua aillent l'adorer après sa mort. Oui, parce que c'est un grand péché qui risque de le conduire en enfer. C'est-à-dire des choses du genre, une personne est décédée. Et les gens font un monument, une grosse statue. Et chacun va se prosterner là-bas. Soit se prosterner, même prier, même en touchant la statue. Ce sont de telles choses qu'il faut éviter parce que ça s'appelle l'idolâtrie. Ça s'appelle l'idolâtrie. C'est censé être une chose que Dieu n'aime pas. Et cette personne va nous expliquer encore ces choses avec beaucoup de détails. Nous allons donc l'écouter. C'est parti. J'aimerais bien exhorter le peuple de Dieu à ce qu'il ne faut pas que Satan passe par cette opportunité et prend avec lui beaucoup d'âmes pour l'enfer. Plusieurs sont ceux-là que l'ennemi, au travers de cette opportunité, elle les envoyait en enfer. Wow. Synagogue Hamiale. Amérique nye maou. Subola maou nou nola. Nyagloila ike me gabale ou yobe prophétive Joshua. L'église ou bien la congrégation de la synagogue qui est dirigée par le prophète Tibi de Choua n'est plus. Celui-là qui n'est plus. J'aimerais te dire que et surtout pour les dirigeants, les hommes de Dieu. Et qui sont dans l'église, dans la synagogue là-bas. Après l'ensevelissement de l'homme de Dieu, que personne ne fasse de son tombeau son Dieu. Elle avait trop souvent parce que cela on l'appelle l'idolâtrie. Lui a fait cette chose est une fois arrivée. Le Bible amen. Dans la Bible. Amoto Ameiko yobe Gideon. Et des gens ont pris celui-là qu'on appelait Gédéon. Betata siko wola. Ils ont pris la statuette de Gédéon. On va le souvent betata. Ils adoraient la statuette de Gédéon. Un monument. Et que la population adorait le monument qu'on avait effectué pour Gédéon, il adorait. Prophète Bubuto Ikeme Gabaleo, Tibi Joshua, mais Maui est béni. L'honorable prophète, le Tibi Joshua, n'est pas Dieu. Il a accompli sa mission sur terre. Et ça a plu à Dieu et Dieu l'a rappelé. Il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et il y a un temps pour donner naissance. Et il y a un temps que l'homme meurt. Tout le monde peut mourir. Et la plupart du temps, il y a des gens qui disent que la personne est partie trop tôt, il est mort trop tôt. Pourquoi est-ce que cela doit arriver? J'aime bien aimer, j'aimerais que nous sachions que cette affaire-là, c'est entre Dieu et cette personne, le présumé, la présumée personne. Amen. Amen. Amon Bible, mais avec Elisa Néné. Il y avait des gens dans la Bible comme Élisée, il était mort suite à une maladie. Et Jésus Christ là, Platon, le Seigneur Jésus Christ lui-même avait 33 ans et il est parti. Amen. Amen. Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste également n'avait pas, n'était pas trop âgé, mais il est mort. Amokuna. Des gens meurent toujours. Dans
ameyo menyana nupopopo a menyasa nyaye oblona le amede iko yo be mawo pa me menyasa nyaye oblona toa nyanchi. Alors, il y a certaines personnes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas tenir leurs propos. J'aimerais leur dire qu'on ne dit pas toute chose, n'importe quoi sur un appelé de Dieu. Lui, il n'est plus. Toi, tu es en vie. Alors, tiens ferme en Jésus-Christ. Mène ta vie de sanctification. Aime Dieu. Et aime l'église de Dieu. Et aime tout le monde. Et marche dans la sagesse. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Et nous envoyons nos condoléances à la famille éplorée. Et nos sincères condoléances à la congrégation de la synagogue partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et la plus importante des choses pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que ne permettez pas que personne ou bien que quelqu'un vienne adorer ou bien prier auprès de son tombeau, non. Elle veut vivre. Très important. Peu importe comment Dieu utilise la personne, il est un homme. Et comme il est déjà mort, c'est fini. Et comme il est déjà mort, c'est fini. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont quand même réelles. Hein. Moi, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, c'est pas faux. Ouais. Je me suis dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y aura forcément des trucs, des gens qui vont essayer de faire des trucs pareils. Je connais très bien l'homme. Je connais très bien l'homme. Parce que l'être humain, là, il croit plus ce qu'il voit que ce qu'il ne voit pas. Alors que ce qui fait son existence, là, est invisible. Regardez, l'air que nous respirons. Qui veut toucher l'air? Mais nous respirons ça quand même, non? C'est indispensable. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. Parce que Dieu qu'on ne voit pas, c'est celui-là même qui est sûr. Et même plus sûr que sûr. Il vit aujourd'hui et éternellement. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ce sont des choses réelles. Cet homme vient de dire vrai. Vient de dire vrai. Son message est clair. N'allez pas adorer Tibi Yeshua là où on va l'enterrer. C'est un être humain, comme vous et moi. Quelle que soit la manière dont Dieu l'a utilisé, vous devez respecter le fait que c'est un être humain, comme vous et moi. Et que la seule personne à qui la gloire doit revenir dans sa plénitude, et dans sa totalité, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu qui a créé les cieux. C'est la terre. Acclamez les frères et sœurs. Acclamez les sœurs, c'est extraordinaire. Ouais, parce que si je suis en vie et que vous pouvez me voir, c'est à cause de Dieu. Dieu, merci. Merci, Seigneur. Parce que je vois le nombre d'ennemis que j'ai derrière moi. Je remercie Dieu. Parce que Dieu fait des grandes choses pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Que je vois, que je ne vois pas. Ouais. Avec tous les abonnés de notre bonne, je te dis merci. Nous te disons tous merci. Pour tout ce que tu fais. Merci pour tout. Pour tout. Tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bonne. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de vidéos à faire. Il y a beaucoup de vidéos qui vont venir. Donc, abonnez-vous. Assurez-vous que vous êtes bien abonné, que vous avez activé la cloche. Vous pouvez également laisser beaucoup de gens pour nous informer que vous nous suivez et que vous êtes en temps et que vous êtes prêt à voir la prochaine vidéo. Sur ce,
Je donne rendez-vous juste dans quelques minutes parce que la prochaine vidéo, ça va être chaud. C'est parti.